Comme venus de nulle part, après des jours de mer, des marins abordent l'archipel des Marquises. Comme avant, ils n'ont que le vent et leur volonté. Comme avant, le tiki donne la direction. C'est un des exploits maritimes les plus remarquables de l'humanité. C'était il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, les Marquisiens sont toujours là. Ils ont vaincu le pire. Ils se retrouvent pour un grand koïka, pour une fête comme on les faisait avant. Les Marquisiens du Sud retrouvent les Marquisiens du Nord, tout un symbole. La grande famille est maintenant réunie. La fête peut commencer. Ce sont les grandes retrouvailles. Les Marquisiens ont vaincu la mer. Ils n'avaient pas fait cela depuis longtemps. Comme pour cette pirogue de Hivawa, les vents ont été favorables. Une performance du passé, un hommage au courage des ancêtres, presque une quête identitaire, histoire de montrer que l'âme marquisienne est bien là, à l'orée du troisième millénaire. Un événement rythmé comme avant, au son des pahous.
La baie de Taiohae se réveille, le bourg est déjà en pleine activité. Dans quelques heures, ce sera l'ouverture officielle, le grand défilé des délégations. En attendant, il faut terminer les costumes, ceux faits en aouti, ceux qui serviront à la grande parade. Pendant ce temps, le Dumont d'Urville fait son entrée dans le port. Sur le quai, c'est la grande effervescence. La délégation continue d'arriver. Ce matin, Wapo débarque. C'est la délégation la plus importante de ce festival. Ils sont 400. 400 personnes, danseurs, chanteurs, musiciens, avec du matériel. Wapo, c'est en quelque sorte l'île des artistes, l'île des danseurs. Ça a permis de rassembler tout le monde, hein, toute la famille, de se revoir. Bien. Et quand une telle famille se réunit, cela demande une organisation considérable, des heures et des heures de travail. Près de 3000 personnes se retrouvent aujourd'hui à Taiohae, un événement que les anciens de l'île observe avec une certaine perplexité. Dans la baie, le défilé va commencer, l'ambiance monte. Le policier de la commune fait connaissance avec les invités. Le problème du moment, placer les délégations. Et Tuvalu ouvre la marche. C'est l'île la plus éloignée des Marquises. Derrière eux, 13 délégations. Elles viennent toutes du triangle polynésien. Dans les représentations étrangères, on retrouve l'île de Pâques, Hawaï et les Cook. De la Polynésie française, la plupart des archipels sont représentés. Les Australes, la société Les Tuamotu et bien sûr les Marquises. Un cortège où l'on parle français, espagnol et anglais. Des délégations aux racines communes, aux racines polynésiennes.
Le festival change de vallée. Le jour se lève sur Hatiyehu, dans le nord de l'île. C'est sans conteste une des plus belles vallées de l'archipel. Pour un tel déménagement, l'armée déploie les grands moyens. Toutes les délégations dorment sur place, sous la tente. Rien n'est laissé au hasard. Mais ce matin, on se bouscule légèrement. Ben, ça se passe plutôt mal. Pourquoi ? Normalement, il était prévu 2 tentes pour les retours. Et là, il n'y a qu'une seule tente, puisque ce matin, on me disait qu'il ne dormait pas ici. Et voilà que ma délégation arrive et on dort ici. Alors là, bonjour. Quoi qu'il en soit, on garde le sourire, cela fait partie du festival. Pendant ce temps, les délégations se préparent. Elles tiennent à se présenter sous leur meilleur jour. Le front de mer de Hatiyehu n'avait pas vu une telle animation depuis bien longtemps. Et cela redonne un peu de vie à cette baie qui semble figée dans le passé. Aujourd'hui, le Pacifique Sud s'y croise, les jeunes retrouvent des gestes, l'expression culturelle polynésienne est en pleine effervescence. Première étape avant Kamuihei, le grand Tohua de la vallée, le site de Hikokua. La joie de se retrouver éclate au grand jour. Retour au festival. Toutes les délégations sont maintenant rassemblées. Se forme alors un cortège comme une procession pour rejoindre le plus beau Tohua de l'île. Bienvenue à Kamuihei. Le site date du 15e siècle, de l'arrivée des premiers Européens. Délégations retrouvent le chemin de leurs ancêtres. Ici, tout a été minutieusement reconstitué par un archéologue, pierre par pierre, un travail de fourmi, comme un retour dans le passé, on s'y croirait. Le Tohua se remplit, la fête va commencer. Au même moment, le groupe de Hatiyehu souhaite la bienvenue. Les délégations prennent place. Ici, chacun est spectateur, mais également acteur. Ils se retrouveront tous sur scène. Pendant ce temps, en coulisses, les passecoins se préparent. Ils feront leur entrée couverts de terre, de la terre rouge ou blanche de l'île de Pâques.
Allemagne hört zu! Très ému et très heureux de tout ce qui se passe actuellement. Je crois que c'est la plus belle fête qui puisse exister avant de plonger dans l'an 2000. Et le festival se poursuit. Le groupe de Hatiyehu interprète le Hakamanu, la danse de l'oiseau. Place maintenant à une page importante de l'histoire des Marquises, la reconstitution de la reddition du roi Yotété, un traité qui a mis fin à près de 3 ans de conflit. L'amiral du Petit Thouars, commandant des forces navales dans le Pacifique, agissait alors au nom de Louis-Philippe, au nom du roi de France. Le roi Yotété représentait les îles du sud de l'archipel. C'était il y a 158 ans, le 1er mai 1842 exactement. Cela se passait à Tahuata. Aujourd'hui, pour le festival, le groupe de Tahuata retrace cette épopée. Une façon de montrer que l'histoire coloniale est bien intégrée. Les conquérants sont de vrais militaires. Quant à l'amiral, il est polynésien. Rien n'est laissé au hasard. Autre page d'histoire, autre reconstitution. L'épopée des filles de Pakoko, un guerrier de Nukuhiva dont les deux filles avaient enfreint les lois coloniales pour rejoindre des marins dans la baie. Une drôle d'histoire, tout avait failli mal tourner, les filles de Pakoko incarcérées, les guerriers avaient alors tué 6 militaires en représailles.
peuple sera soumis à mes ordres. Et au nom du roi, je prends possession de cette terre. Retour à la reddition du roi Yotété. Le traité est maintenant signé. Yotété accepte la présence française, un acte qui ne fut pas partagé par l'ensemble des marquisiens de l'époque. Les bahous résonnent à Kamuhei. Pendant ce temps, à Taipivai, le kaikai se prépare. Un banquet comme on les faisait avant, dans la plus pure tradition marquisienne. Des heures et des heures de préparation. Ensemble, ils élaborent le repas. Ensemble, ils retrouvent des gestes. Un travail colossal fait essentiellement par des hommes. Demain, ils nourriront 3000 personnes. Un marathon de 24 heures rythmé au son des pénous pour un festin d'un autre temps. Au menu, de la pieuvre, mais également de la viande. Beaucoup de viande. 42 cochons, 84 chèvres et des centaines de kilos de bananes ou encore de fruits de l'arbre à pain. Tout cela en petits morceaux placés dans ces casiers. Que des recettes typiquement marquisiennes. Le ikamito, il est différent du fafaru. Le fafaru, on le trempe dans un jus liquide qu'on a préparé. Le ikamito, non. On découpe son poisson, on sale bien le poisson, on peut rajouter de l'ail. Ensuite, on attache et on suspend. Et avant, le marquisien ne mangeait pas son poisson mito le jour même de la préparation. C'est le lendemain qu'il va manger avec son popoï ou alors avec le hikai. Toutes les îles de l'archipel sont représentées. Sifu pour 6 îles et une équipe d'une quinzaine de personnes pour défendre son village, sa vallée. C'est le grand moment, la danse du kaikai, pour l'ouverture du four de Wahuka après 5 heures de cuisson. Toute l'équipe est rassemblée, c'est l'instant de vérité et surtout un travail de force, un travail de guerrier, c'est le Nunu Iyakai. Le Nunu Iyakai,
c'est pour appeler et vanter la qualité de notre nourriture, pour exciter les autres qu'on a fait mieux qu'eux. Placés dans les Oumétés, les victuailles vont entamer maintenant un parcours dans le village. Commence maintenant une procession particulière. Chaque île, chaque hahi appelle la population au festin. Le hahi qui est devant, elle appelle que la nourriture, les provisions arrivent, préparez-vous, on va se mettre à table. Elle appelle la vallée comme quoi que nous allons manger, que nous allons participer à ce grand kai-kai. Et le kai-kai peut commencer. Il est ouvert à tout le festival, c'est l'hospitalité marquisienne. Les touristes font connaissance avec les plats traditionnels. Pendant ce temps, les danses se poursuivent, les Tuvalu font le spectacle. Nous arrivons au top point. Nous, on s'éclate à le manger. C'est super. Et vous avez choisi en fonction de quoi alors? En fonction de la couleur? Oui, la couleur principalement et le toucher, la consistance. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Il y a du cochon, du poé, pays, au roux, poisson cru. Ah, vous êtes un connaisseur? Oui, oui, un peu de tout là. Hein. C'est pas la première fois que vous mangez cela? Non, ça va. C'est pas la première fois. Ni la dernière. On a réussi, tout le monde a mangé, les petits, les grands, les gros, les maigres, les militaires, les non-militaires, et c'est une grande réussite, un grand kai-kai. Il manque trois éléments au festival. Le premier, le rite sacrificiel, le deuxième, la nudité, le troisième, la licence. C'est pas un peu difficile à l'heure actuelle? C'est certainement difficile. D'autant plus difficile que les missionnaires œuvrent dans l'archipel depuis les débuts de la colonisation. Le profane cède à présent la place au sacré. La Bible et la prière occupent à présent le cœur de la fête. Arrivés à Tahuata en 1838, les missionnaires catholiques s'implantent à Nuku'iwa un an plus tard. Une colonisation évangélique peut être discutable, mais qui restera à l'origine de la survie du peuple marquisien. Taipivai, c'est le visage des marquises d'aujourd'hui, un compromis entre la croix et les chants guerriers.
allons-nous. Il est permis aujourd'hui, ici à Touréba, de faire ce que nous voulons faire. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Levez-vous, dansez là où vous êtes, sinon venez à l'intérieur avec le groupe qui danse et dansez aussi. C'est ça l'esprit du festival de la fin de ce millénaire. Il faut que nous rentrions dans le prochain millénaire avec plein d'énergie et de positivité. Un appel à la fête, un message d'espoir, à l'image des Bahous, le cœur des Marquisiens résonne à l'unisson. Coeva, c'est la dernière étape de ce festival, moins conventionnel, c'est la communion dans la fête. Un moment d'euphorie, une chaîne d'union, une symphonie cacophonique quand le Pacifique Sud se retrouve. Retour maintenant à la danse. Les Marquises occupent le centre du Tohuwa, les jeunes de Hivawa, pour la danse de l'oiseau. Les concours de force, le lever de pierre commun à toute la Polynésie. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, il revêt un sens plus originel. Les Marquisiens demeurent des hommes forts, des guerriers sereins. C'est la tradition aux Australes, pas de fête sans poi poi. Elle sera offerte aux invités. Aujourd'hui, poi poi de taro. Au même moment, les îles du vent occupent la scène. Tahiti et le groupe Temaeva pour une danse des plus suggestives.
comme protégé par le banyan, le festival se poursuit. Les délégations se retrouvent sur le Peipei, la joie d'être ensemble. Il en est ainsi à chaque fois que les passepoints se déplacent. Ils font un présent aux marquises. Construit pour la circonstance, le moai qu'ils vont offrir aura sa place dans le tohua. Une façon de figer pour l'éternité ces moments de rencontre, ces moments d'émotion. Les marquises du Sud. Les voix des jeunes de Tahuata montent vers le ciel. Un rikuri pour une communion générale. La fin du festival approche. Via Maria, na Maria.
Pas de festival sans Rataro. Les guerriers de Wapo font leur entrée pour la danse du feu. C'est la danse de clôture. Le prochain festival des Marquises, ce sera à Hivaoa, dans 4 ans. Yeah.